vous êtes là. Ah bon? Parce qu'on était trop jeunes quand je venais ici. Non, moi. En 1988, le capital social était de 7 605 000. 30 ans après, il est de 37 790 000. Au niveau du chiffre d'affaires, monsieur le président, les trois dernières années, le chiffre d'affaires a chuté de 177 millions en 2015 à 120 millions en 2017. Ça ne se justifie pas la mi-vente de nos produits. Au plan économique, la coopérative du meuble s'approvisionne à crédit en matières premières et fabrique des articles qui n'arrivent même pas à écouler. Et ceci se justifie par la mévente qui s'observe au niveau de la non-consommation des articles par l'administration centrale que vous représentez, monsieur le président. Ils préfèrent acheter les bois importés à la place du bois massif qui sont plus durables. Au plan fiscal, la coopérative du meuble est confrontée à une confusion qui s'observe au niveau de la direction des domaines. Avec la RSAL qu'on nous a attribuée au lieu de notre coopérative que nous sommes normalement agréés. Nous avons actuellement, depuis l'AG du décembre 2014 et du 14 décembre dernier, pris la décision d'adresser un recours gracieux au ministre de l'Économie et des Finances au fin de nous réintégrer dans notre coopérative. Monsieur le Président, au plan commercial, la coopérative souhaiterait que beaucoup de commandes de l'administration nous parviennent, comme ce fut dans les années 80-90. Ça augmenterait beaucoup notre chiffre d'affaires. Et notre doléance, monsieur le président, nous demandons au gouvernement de nous subventionner pour remplacer toutes ces machines vétustes, de nous aider à réhabiliter la maison et à parfaire notre plan de construction. Nous demandons au gouvernement un appui de fonds de roulement. Et enfin, nous demandons au gouvernement de nous soustraire de la vente aux enchères de l'ONAB parce que nous n'avons pas les moyens de compétir. Merci, monsieur le président. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce bref allocution contenant vos doléances. Je dois vous avouer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à l'entrée de cette maison que je connais bien, j'ai été saisi d'un sentiment de déception, de tristesse. Parce que 30 ans après, la maison n'a pas évolué. D'un iota. Et si j'ai décidé de venir ici ce matin, c'est bien parce que je l'imaginais. La coopérative du meuble est à l'image du pays entier. En comparaison relative, on peut dire que notre pays a régressé. La coopérative du meuble a régressé par rapport à son envergure comparée à ce qu'elle est aujourd'hui dans le contexte actuel. À l'époque, il y a 30 ans, la valeur économique, l'importance économique relative de la coopérative du meuble au sein de notre environnement global économique était d'un niveau plus élevé que celui d'aujourd'hui. Alors, qui est responsable? Nous tous. On n'a pas su évoluer dans nos administrations, dans nos entreprises, dans nos petites activités individuelles. J'ai dit même dans nos compétences. J'ai jeté un coup d'œil rapide quand je suis entré dans le showroom. Je n'ai pas vu que vous avez évolué. Pas vraiment. C'est un coup d'œil.
Mais moi, mon ambition, mon souhait, ma volonté, ce qui me motive, c'est parvenir à impulser un peu nos dynamiques. Et c'est l'objet principal de ma visite ici. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour qu'on prenne conscience de nos insuffisances, au lieu de reporter systématiquement sur l'autre nos torts, nos faiblesses? Il faut faire quoi? Comment faire pour évoluer sans attendre tout de l'État? Mais dis tout, il faut attendre quelque chose de l'État bien sûr, mais pas tout. Vous avez vos doléances, la plupart de ce que vous avez évoqué, trois quarts ne sont pas recevables. C'est malheureux de le dire. Pourquoi voulez-vous que l'État subventionne la partie de même? Et les autres artisans? Et les autres opérateurs économiques du pays qui se débrouillent par eux-mêmes et tout seuls? Pourquoi? Pourquoi la partie de même? Et le petit menuisier du coin, qui après son apprentissage s'est installé, se débrouille. Lui aussi, bien, il a besoin d'être subventionné. Le coiffeur du coin, le soudeur, Bénès Cafandrier, un garçon de génie. Le rôle de l'État, ce que vous devez attendre de l'État, le mot appui aurait été suffisant. Comment vous appuyer? Comment vous aider à vous développer? Comment trouver des produits? Des mécanismes pour appuyer un peu tout le monde. Un modèle qui va au service des uns et des autres. Et moi, j'ai cette volonté. Même si elle ne sera pas de taille à satisfaire tous vos souhaits. C'est vrai, au plan fiscal, est-ce que les mesures actuelles, les dispositions actuelles sont suffisantes pour vous accompagner? Ça mérite d'être revu. Et si on vous a sorti du régime des coopératives, je veux bien savoir pourquoi. C'est sûrement qu'il y a une raison. Maintenant, il peut y avoir un traitement différencié juste parce que nous avons envie, la volonté d'accompagner. Et ça, je prends ça à mon compte. Nous allons voir assez rapidement ce qu'il faut faire. Vous allez m'adresser un courrier d'ailleurs pour en parler. Maintenant, au plan financier, vos fonds de roulement, l'accès au crédit, acheter la matière première ou les intrants à crédit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est courant. Et d'ailleurs, rares sont les entreprises qui ont les moyens de financer sur fonds propres toute l'activité. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut que le chiffre d'affaires, la vente, permette de couvrir toutes les charges, y compris les charges financières. Et l'un des axes d'appui, ce sera la formation, l'aide, l'appui à l'équipement, pour moderniser vos équipements. Vous avez parlé du bois massif tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Est-ce que tout le mobilier doit être toujours en bois massif? Vous avez choisi des modèles pour démontrer l'efficacité de son appui, de son action, afin que cela puisse impacter les autres. Donc, je pense que, sans faire des jaloux, ce fait que je vous connais. Je connais la coopérative du meuble. Je n'ai pas beaucoup de timidité ou de pudeur à dire que, bon, compte tenu de l'histoire, de l'évolution de la coopérative du meuble dans notre environnement, on peut nous appuyer sur quelques entreprises du genre, des artisans de moindre taille, des artisans de votre taille, intermédiaires, puis d'autres unités un peu plus élevées. C'est pour ça que tout à l'heure, j'irai à ATC, Industrie du bois. Voir dans les diverses catégories de nos PME, quels sont les problèmes spécifiques que je connais un petit peu, mais il vaut mieux toujours l'entendre de la bouche de ceux qui sont concernés, et voir quelles sont les mesures il faut apprendre et les adapter à chacun pour promouvoir l'ensemble du secteur de nos petites et moyennes entreprises. Et c'est ma volonté et je pense que vous allez nous aider à concevoir quelque chose de réaliste, bon, à parfait ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place, et de sorte que assez rapidement on puisse voir les résultats. J'aimerais que quand je venais ici, si Dieu nous prête vie, dans quelques mois ou quelques années, et qu'on ait vu l'impact de notre action. Nous avons eu
beaucoup de mal à concevoir quelque chose qui aille à votre service sans susciter la fraude. Parce que le problème du Bénin, c'est que chaque fois qu'on a envie de mettre en place un modèle un peu discriminatoire pour favoriser certains, ça génère de la fraude. Et comme on dit, la fraude corrompt tout, pourrit tout. Et du coup, on n'a plus les possibilités de mettre en œuvre ces mesures-là. Donc, on a quelques idées. Nous allons, dans tous les cas, nous sommes tenus de le faire. Promouvoir notre industrie, nos artisans, nos PME. Vous allez mourir parce que nous ne voulons pas tomber dans la fraude. Il faut qu'on trouve des solutions. On a quelques idées. Mais assez rapidement, nous allons devoir échanger ce mode d'approvisionnement. Merci, monsieur le président. Elle y était déjà. Elle était déjà. Donc, les doyens sont là. Monsieur Sophie Guidi et monsieur Charles. Moi, je suis venu en 90, la machine était là. Donc, celle-ci aussi, les deux machines-là. Elles ne sont même plus aux normes, hein, parce que ce n'est pas des accidents ici. Il y a des accidents. Bon, ça se casse, mais aujourd'hui, les machines, les scies et consorts sont protégés. Oui. Bon, oui, ça c'est protégé, mais bon, nous on essaie quand même, puisqu'il y a la lumière qu'on utilise ici, on essaie de régler ce niveau. Il n'y a plus jamais d'accident ? Non, oui, il y a des accidents. Il y a des accidents, mais ça a beaucoup diminué. Ça doit être dans les 800. 800 000. Ça, c'est du Bienvenue chez vous, monsieur le président. Comment ça va? Ça va bien, merci. Enchanté. Pas besoin d'être présent. Enchanté. Merci. On s'est déjà vu il y a très longtemps. Soyez plaisir. Le bienvenu, c'est un honneur pour nous. Au nom des employés, des cadres et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue sur la terre hospitalière d'Alada. Pour nous, à ATC IB, votre visite de séjour a un double sens. D'une part, elle est le symbole de l'attention que l'État béninois accorde à une entreprise industrielle qui souhaite faire la fierté de toute la nation béninoise à travers la transformation complète des bois sortis de nos forêts. D'autre part, elle indique que le gouvernement est décidé à jouer pleinement sa partition dans les progrès socio-économiques de notre pays, le Bénin. En effet, au cours de l'audience que vous nous avez accordée le 26 mars 2018, nous avions exposé l'essentiel des difficultés auxquelles ATCIB est confronté. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous êtes venu constater par vous-même les efforts que nous déployons inlassablement, les nouveaux investissements qui sont les nôtres, ainsi que les difficultés que nous rencontrons, soyez-en remerciés. Monsieur le Président de la République, c'est le lieu pour nous également de saluer votre gouvernement pour la sollicitude dont il fait preuve vis-à-vis des entreprises nationales en général. Et nous savons que de façon particulière, le Président prête une oreille attentive aux doléances des industries à travers de divers départements ministériels qui concourent à la pérennisation de ces usines et de milliers d'emplois et que les animent. Pour notre cas, nous avons eu l'honneur d'accueillir la célébration officielle de la Journée nationale de l'arbre 2017 sur la site de notre plantation et de recevoir en visite le ministre de l'Industrie et du Commerce, ici présent, sur nos installations ici même à Alada en novembre 2017. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer mes propos sans dire un mot sur ATCIB. ATCIB a vu le jour en 2006 et depuis lors, la société prouve que tant que la matière première est disponible, la génie béninoise conjuguée à la technologie appropriée est capable de proposer des produits
parquets, caillebotis, lampes de terrasse, meubles, articles de menuiserie sur le marché local et l'international. L'unité industrielle de ATC voudrait s'imposer aujourd'hui non seulement comme un exemple national de transformation complète des matières premières à forte valeur ajoutée, mais aussi comme un exemple de développement humain par la création d'emplois, la formation professionnelle et l'impact socio-économique qu'elle représente. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus que ce jour, le 19 avril 2018, marque celui de nouveau départ pour ATC IB. J'ai envie d'échanger un peu et de me rappeler les préoccupations qui m'avaient exprimées il y a déjà bientôt un an et demi ou deux. À cette occasion, donc, je vous ai promis que je vous rendrai une visite. Merci. Pas parce que c'est à cette occasion que j'ai eu l'idée de vous rendre visite, mais cela j'aimais déjà en moi. Et j'ai profité de cette occasion pour vous confirmer donc mon intention de rendre visite à nos entreprises, et notamment à celle du bois, parce que nous sommes conscients que vous avez des difficultés d'approvisionnement. L'agriculture, le bois sont les premiers secteurs dans lesquels nous pouvons faire la preuve de notre arrimage au monde moderne, c'est-à-dire en transformant les matières premières. Ce sont les deux seuls secteurs dans lesquels nous pouvons donner cet exemple-là. Merci. Le bois, qui est notre une matière première d'importance chez nous, c'est vrai que c'est une, c'est pas grand-chose que nous avons, mais pour le peu qu'il y a dans ce pays territoire, c'est suffisant. C'est suffisant. Puis, comme je vous ai dit, le secteur agricole. Exactement. Donc, si nous avons l'ambition, la volonté d'impulser l'implantation industrielle, la transformation, c'est bien dans ces deux domaines que nous devons faire nos preuves. Merci. C'est pour ça que vous êtes un pionnier que nous avons l'obligation d'accompagner. Merci, monsieur. Vous, ceux qui sont de taille plus modeste, comme la coopérative du meuble que j'ai visitée aujourd'hui, oui. Ceux qui sont encore de taille encore plus modeste, comme les petits artisans, ceux qui ont leur atelier, la menuiserie, qui également mettent de la volonté, du talent, nous sommes à vivre, à développer leurs activités et à contribuer au développement du Bénin. Nous avons l'obligation, la volonté d'accompagner chacun de vous à vos niveaux respectifs.